Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La mission du boucan du sud, c'est de nettoyer les rues tous les dimanches. Voici le nettoyeur. Cette vidéo est en partenariat avec Totem. Alors je vous envoie la pub et ensuite on va dépolluer. Comme tous les dimanches, je vais nettoyer une rue sur Marseille. Et aujourd'hui, on est encore au stade Vélodrome qui est là-bas. Bah, je ne vais pas vous montrer parce qu'il y a les arbres et tout. Vas-y, fais un switch. Tu vois, il y a trop d'arbres. Et on est encore dans la résidence, là où on était dimanche dernier. Et il y a encore des trucs à ramasser. Vous voyez, là, il y a un petit masque de famille. Alors, voilà. Bon, il y a des trucs à ramasser ici. Bon, on va mettre un petit fond musical et je vais descendre et je vais nettoyer tout ça là. Bon, en fait, les trucs blancs qui sont par terre, en fait, c'est de la peinture. Un droit de surprise. Tiens, une bouteille d'eau. Le masque. La petite bouteille d'eau, là, tu te dis, ça va, tu peux jeter dans un conteneur, surtout dans une résidence. Mais non, ils préfèrent jeter par terre. La canette qui pollue sa mère. Et vous connaissez tous, hein, dites-moi dans les commentaires, hein, le café trottoir. Des clochards qui jettent. Allez, bout de la fortune. Mais qu'est-ce que c'est crasseux les gens, franchement, oh. Un déchet est égal à un conteneur. Il n'y a rien de compliqué. Le truc, moi, ce qui me rend fou, c'est que si franchement tu aimes ta ville, tu aimes Marseille, mais fais tout pour l'entretenir. Évite de jeter par terre et ne pas dire « Ah, c'est pour le cantonnier ». Parce que les cantonniers, ils en auront le bol aussi de repasser. Si tu jettes moins par terre, ça veut pas dire que tu enlèves le travail du cantonnier. Hein. Le cantonnier, t'inquiète pas, il va ramasser le plus gros. Hein. Tu manges un tacos comme ça et tu n'as pas l'odeur de la pisse, de la merde juste à côté de toi. Regardez-moi tout cet état là. On est presque 1000 abonnés, franchement. Et c'est le top. Parce que dès que je vais déclencher les 1000 abonnés, j'aurai l'angle communauté et on pourra être plus proche. Parce que je peux vous envoyer des posts directement sur YouTube. Ferrero couscous. Ferrero couscous, quand il pète, il fait de la mousse. Tu vois, j'ai raté ma scolarité, je suis devenu youtubeur et je fais des blagues de merde. Toto, tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit même tes blagues sont pourries. Oh, poids sirène. Là, il y a le conteneur ici, ok. Et est-ce que ça, c'est normal? Est-ce que le café trottoir, c'est normal? Oui. Yes, est-ce que ça, c'est normal? Non, non. Allez, tu sais quoi? Un petit fond musical. J'aimerais tu avais testé une collaboration avec deux youtubeurs marseillais en fait. Avec Geekmap, c'est un youtubeur marseillais, Geekmap c'est un marseillais en fait. J'aimerais bien faire une collab avec lui, qu'on nettoie les rues de Marseille, avec Pikachu, parce que moi je les aime bien. Et en bas là, je vois un petit truc là-bas. C'est que je vais passer par là, je vais récupérer le sac de Franprix et remonter par là quoi. Ah, c'est pas ça de là-bas. Tu disais quoi? Tu disais qu'il y avait rien là-haut. Même sur les toits, tu les trouves, frère. Hein, même sur les toits, tu en trouves des déchets, frère. Hein. Canette caca, tu connais? Ah.
Ah putain, mais j'ai l'entorse encore. Hein. On va jeter ça au conteneur. On est tous les mêmes en fait. Que tu sois quartier sud, quartier nord, centre-ville, on est tous les mêmes. L'objectif de ma chaîne, c'est de montrer les bons gestes du quotidien. C'est pas mieux de voir les enfants qui jouent dans la propreté que tomber sur une seringue, ou marcher sur la merde, avoir du vomi à côté, ou un truc rempli de pisse. Ouais, on l'a pas vu celui-là. Celui-là, il a pas brillé. Celui-là, il a pas brillé. Tous les 5 minutes, tu peux revenir, c'est toujours sale. Hein. Bon, on a fait quand même 3 gros sacs. Nous, on se dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Le nettoyeur, si vous voulez me soutenir, vous savez quoi faire. J'espère d'avoir des nouvelles choses qui vont arriver. Bon, j'ai une petite question pour vous les abonnés. J'aimerais réaliser des lives, comme ça on peut papoter entre nous. Comme j'ai pas 1000 abonnés, du coup j'ai pas l'onglet communauté. Et comme j'ai pas l'onglet communauté, je peux pas vous poser la question directement sur YouTube. Alors je suis obligé de le faire en vidéo. Dites-moi, est-ce que vous êtes chaud? Dites-moi dans les commentaires un jour particulier. Tu vois, un vendredi soir, jeudi soir, mercredi soir. Allez, ciao.